t'a bien manipulé. C'est pas la peine de crier, Olga. C'est vraiment pas la peine. La décision est prise et tu le sais très bien. Et ta carrière, t'y as pensé? Je n'abandonne pas la médecine, je quitte seulement Saint-Tropez. Et notre fille, t'y as songé? Oui. Isabelle a 16 ans, c'est à elle de choisir avec qui elle veut vivre. Je n'imposerai rien. Elle peut rester avec toi si elle le désire. Quel grand seigneur! Je vous laisse la villa, c'est moi qui demande le divorce, t'as rien à craindre. Tu vas me faire un chèque pour le gâchis? À combien évalues-tu les malheurs que tu t'apprêtes à causer? Écoute, Olga, j'aimerais que nous puissions nous quitter tranquillement, sans nous haïr. Et tu comptes m'effacer de ta vie sur un claquement de doigts? Non, je t'effacerai jamais de ma vie, Olga. Jamais. Mais j'aime l'or. Et j'y peux rien. Et toi non plus, dis-moi.